Hello les potes, c'est Dofusion, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez remarqué, on se trouve à l'arène, ça veut dire que c'est un épisode je drop pour vous deux. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, on va s'attaquer au scorbut et au choléra. Donc à dropper, il y a les viscères de scorbut qui sont actuellement à 150 000 environ en HDV. Et les choléra morts qui sont à près de 250 000. Du coup c'est assez énorme. Je vous le dis, on quittera pas cette vidéo tant qu'on n'aura pas eu au moins un des deux, c'est-à-dire au moins un choléra ou au moins une viscère. C'est-à-dire que s'il faut faire 10 000 captures pour en avoir, on en fera 10 000. À la fin de cette vidéo également, les potes, vous retrouverez le résultat du concours de la vidéo précédente, je drop pour vous au gelé, où il y a plus d'1 million de kama à gagner. On en reparlera davantage tout à l'heure. Tout de suite, on va se consacrer à la vidéo. On va faire comme d'habitude, je vais taper les captures, je vous montre à la fin de chaque capture le drop. Et puis à la fin, on fera un résultat global sur combien on a droppé, etc. Vous retrouverez aussi à la fin de la vidéo une capture spéciale. Je vous en dis pas plus, vous verrez ça tout à l'heure. On part tout de suite pour la première capture, les potes, à tout de suite. Première capture, les potes, on est avec le châle circulé. On va finir tout de suite. Espérons que dès la première ça drop. Ça va être un peu dur, on y croit. Alors, je connais pas du tout ces places au niveau des lignes par contre. Donc au début, on va regarder un petit peu partout. Il m'a pas l'air. Oh là 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 là! Première capture, les potes. C'est ouf. Première capture, viscère de scorbut. Et ben voilà, 1 minute. Comme quoi. Ben ça rentre directement pour vous, ça, les potes. À la fin de la vidéo, ouais, comme d'habitude, concours. C'est parfait. Ben, bon retour du drop sur ça. Ça fait très longtemps que j'avais pas droppé scorbut. Impeccable. Donc il n'y avait pas de choléra, donc il n'y aura pas de choléra mort. Mais oh là là, viscère de scorbut, première capture. Vraiment cool. Oh les potes, on se retrouve pour la suite. Deuxième capture, les potes. Comme un con, j'ai raté Colin. Je sais pas pourquoi mon cerveau est parti en vrille. J'ai cru que c'était l'autre où il fallait vraiment pas finir à côté. Bref, c'est pas grave, on a quand même élitiste. Ici, on avait que des choléras. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir choper ce choléra mort? Ça serait ouf quand même, mettre deux captures d'entrée là comme ça. Alors, j'en vois pas pour l'instant. Première partie, on va voir. On descend. Toujours rien. Et non, pas de choléra mort pour celle-là. Allez, on est sur deux scorbuts, un choléra, économe et focus, 310 % de tchal, les gars. On va faire gaffe de pas le foirer quand même. Hop, on n'a pas fait l'explo encore. Voilà, deux tchal réussis. Allez, allez les potes, on y croit, on attend. Ok, déjà je vois pas de viscère dans la première ligne, ni de choléra mort. Ok, on va descendre un par un, toujours rien. Oh, et voilà les potes. Viscère de scorbut, deuxième en 3 captures, c'est excellent. On va descendre encore au cas où. Ah, j'ai descendu un peu beaucoup. Bon, je vois rien. Ok, ben les potes, une viscère en plus. Pour le moment, les deux captures où on a fait des scorbuts, on a eu une viscère. C'est énorme, c'est plutôt cool. Après là, bon, pour le coup, on avait 310 %, donc c'était, ouais, c'était plausible. Je suis content. On va continuer, les potes. Je vous reprends à la prochaine. Bon les amis, je vous prends un petit peu plus tôt. Comme vous pouvez le voir, on a encore deux châles assez ouf, Blitzkrieg et Économe en haut. Du coup, je vais vous garder avec moi toute la capture. Ça serait énorme qu'on fasse un 3 sur 3. A chaque fois qu'on aurait tapé un scorbut, on aurait eu une viscère. Ça serait épique. Il n'y a pas de choléra dans celle-ci. Il y a encore deux scorbuts. Il y avait deux Zouginak et un Croc blanc, je crois que ça s'appelle. Je sais pas d'ailleurs le taux de drop des viscères ni des choléra morts, les gars. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En tout cas, les viscères ça se drop plutôt bien, comme vous pouvez le voir. Ça serait ouf là, on a deux très gros châles. Donc, j'ai pas utilisé l'exploit encore avec le cra. Je finis de poser les coffres. On va. Normalement, ça devrait passer avec explo. Ok, au pire, on assurera avec lui. Donc, on va voir comment on va le faire. On va explo ici. Ok, donc ça devrait passer normalement tout bon. On va finir avec l'œil de top pour être sûr de n'avoir rien utilisé. Double châle réussi, les potes. Allez, 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 allez. Alors, oula, il y a beaucoup de lignes drop. Ici, est-ce qu'il y a une viscère? Non, il n'y a pas l'air d'en avoir. Ici, non plus. Oh, allez, on va descendre. Allez, on y croit. On y croit, on y croit, les potes. Toujours rien. Et non, pas de viscère pour celle-ci alors qu'on avait les deux plus gros châles. Bon, c'est pas grave, on se retrouve juste après. Double choléra, châle focus. On va voir si on peut choper un petit choléra mort. Y a rien, non, y a rien, y a rien, et y a rien. Ok, c'est pas grave. Versatile et collant, double châle du coup sur un double scorbut. On va voir si on peut choper la troisième viscère de cette vidéo. Rien sur les premières lignes. On descend, toujours rien, pas de viscère. Allez, on est reparti alors.
Encore une fois économe, cette fois-ci avec duel, double score but. On espère que ça va passer une nouvelle fois. On finit ça proprement sans rater l'échelle. Voilà, c'est parfait. Allez, alors, est-ce qu'on a des viscères? Pour moi, je vois rien. Ça, je sais pas ce que ça vaut, tissu sombre, je connais pas trop. Je verrai s'il faut, il y a des ressources que je drop qui valent super cher et j'en ai aucune idée. Alors, toujours hier, on continue de descendre les potes. On y va. Allez, il reste plus beaucoup de lignes. Sortez-nous une viscère rouge. Et non, pas de viscère sur cette capture. Triple choléra, un score but avec le châle circulé. On finit ça tranquillement. Allez, allez. Est-ce qu'on va avoir une des deux ressources rares? Pour moi, je vois rien. On continue de descendre. Et non. Pas de drop pour cette capture, les potes. Double score but avec un choléra, avec double châle, nomade et élitiste. On finit ça. On a bien utilisé tous les PM avec le crasse, c'est bon. Allez, allez. On y croit. Alors, une cape du corbac, ok. On va regarder ce qu'il y a un choléra mort ou une viscère ici, j'en vois pas. Toujours rien. Une corbe à quoi? Ouais, je sais pas du tout si ça vaut cher, je pense pas franchement. Toujours pas ici, non il y en a pas, j'en vois pas du moins. Ici toujours pas de choléra mort. Non. Et pas non plus de viscère, on va continuer à descendre du coup. Rien non plus, toujours rien. On descend, allez une petite ligne peut-être. Non, il n'y a pas l'air non plus d'en avoir. On continue de descendre. Qu'est-ce que c'est que ça? Langue du Croglan. Ok, on s'en fout. Toujours rien. Allez, dites-moi qu'il y a quelque chose. Ici, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok, les potes, c'est pas grave. On se retrouve après. Triple choléra, un score but. On va bien utiliser les PM avec le crabe pour finir nomade. On avait aussi élitiste, comme tout à l'heure. On finit cette capture en tuant Louguinac. Allez, allez, allez. On aimerait bien redropper un petit coup. Alors, je vois rien pour l'instant. On continue de descendre. Rien non plus. Et non, toujours pas de choléra, les potes. Il faut qu'on en chope un dans cette vidéo, c'est pas possible. On enchaîne. Deux scorbuts. Châle cruel. On finit ça calmement. Bim. Est-ce qu'on va dropper une nouvelle petite viscère? Oula, il n'y a pas beaucoup de lignes. Et non, on passe à la capture suivante. Exactement pareil, sauf que cette fois c'est avec ordonnée. Du coup, deux scores but. Une petite viscère serait la bienvenue. Ça fait pas mal de temps qu'on l'a pas eu. Et non, toujours rien. On continue les potes, c'est pas grave. La petite explo. Est-ce qu'on va enfin avoir un choléra mort qu'on a toujours peu dans cette vidéo? J'en vois pas pour l'instant. On continue de descendre. Allez. Et non. Pas de choléra mort les potes. Enfin, je pense que ça sera dans la première ligne, je revérifie. Mais non, il n'y en a pas. Allez les potes, je vous prends avec moi pour toute la capture parce qu'on a économe et tueur à gage avec deux scores buts. Là j'y crois, franchement. La troisième viscère elle est pour cette capture, j'en suis sûr les potes, vous allez voir. Ça va le faire 100%. On va poser tranquillement les petits coffres avec les énus. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos jeu drop dans 30 minutes environ ou plus de 10 minutes ou de... Voilà, jusqu'à un quart d'heure max. Je sais que des fois 30 minutes ça fait long pour ceux qui regardent toute la vidéo. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Là, en attendant les potes, je vais vous montrer comment drop très facilement une viscère de score but. Vous allez voir 100% du temps la drop ici. On finit avec une enflammée, bien évidemment. Hein. Hop, enflammée, voilà. Alors. J'ai vraiment l'air d'un con si on la drop pas maintenant. Allez les potes. Les petits potes, et non, je suis vraiment un con. On a chi. Voilà, vraiment. M'écoutez pas, c'est de la merde. Double châle, circuler, zombie. On finit bien zombie. Hop, il y avait 2 ou 3 cholérages, je crois, et un score but. On va vérifier ça tout de suite, de toute façon. C'était ça, 2 choléra, un score but. Alors, est-ce qu'on va enfin dropper un choléra ou redropper une petite viscère? Toujours rien. Et non. On continue les potes. Focus et nomade sur un double score but. C'est là que je sens la troisième viscère qui va pop. On y croit. Le drop est présent peut-être. Attention. Allez, on descend les lignes. Allez, go. On descend. Hop, 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 hop. Toujours rien. Ah, on a eu un diamant. C'est plutôt pas mal le diamant. Ça va faire les pare-chauds de sort si je dis pas de conneries.
Pas trop mal les potes. Allez, on continue. Double choléra, un scorbut. Chaleur donnée. On adore, on a raté Pétulin sur le dernier ennemi. Hein. Bien évidemment, on kiffe ça. Allez, on finit ça. On regarde le drop tous ensemble. Alors, rien sur la première page. On descend, toujours rien. Toujours pas de choléra mort et toujours plus de viscères. Ça y est, les viscères sont tombés 2 en 3 captures et maintenant plus rien. Allez, double châle, collant et intouchable les potes sur double scorbut. Ça serait cool que ça retombe au moins une petite là. Allez, 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 on y croit. Oh, elle est là les potes, la viscère, enfin elle retombe. Oui. Ah, ça fait du bien là. Viscère nickel. Parfait. Je sais pas, il me semble qu'on peut en avoir plusieurs et par capture si je dis pas de bêtises. Si vous pouvez me confirmer dans les commentaires. Mais normalement, oui. Ça serait cool de faire un jour une double viscère, du coup. Bon, mais une viscère, les potes, ça nous met à 3, il me semble. On continue. On enchaîne avec un double choléra et un scorbut avec contamination et perdu de vue. Du coup, pas mal niveau des châles. Ça serait le moment de faire tomber le choléra mort. Et un petit 250 000 en plus qui passerait très très bien. Alors, première ligne, est-ce qu'on a quelque chose? Je ne crois pas, je ne vois rien. Deuxième ligne non plus, alors on continue, on descend. Toujours rien. Et non, attendez, on vérifie là quand même. Non. Ok, c'est pas grave, on poursuit. Allez, comme d'hab les potes, dès qu'il y a économe, je vous prends avec moi. En plus, on a fait élitiste en plus. On a deux scorbuts, un choléra. En espérant que cette fois-ci, on ait le choléra mort. Putain, je vais y arriver. Ou alors une autre viscère, ce qui serait cool également. Économe en général ça déçoit pas. Alors il faut pas que je me plante au niveau des sorts par contre, puisque comme j'ai fait élitiste, j'ai pas utilisé l'explo, mais j'ai utilisé la flèche magique. Du coup il va falloir que j'explo prochain tour. Allez, jouer. Oh c'est chiant ça. J'ai pas enflammé non plus donc je vais pouvoir enflammer le croglant. Oh c'est chiant ça, l'épée en moins. Allez hop, on continue, on pose les petits coffres. N'oubliez pas les potes, participez pour participer au tirage au sort à chaque fois dans la vidéo je drop pour vous, c'est juste un commentaire. Et ensuite je vous contacte pour avoir votre pseudo in-game, parce que les messages YouTube ont été désactivés. Du coup, on fait comme ça maintenant. Allez, la petite explo, qui bien évidemment ne va pas finir les mobs, hein, puisqu'on tape 0. C'est pas grave, on va se décaler. Et on va finir au massacrant avec les ennemis. Alors, hop, le premier. Et on pourra bien évidemment pas finir avec lui. Si, on pourra en fait. En passant par en bas. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Hop. Allez, économe les potes. Du coup, on va découvrir ensemble. Première ligne, il n'y a rien. Oula, ouh, je suis allé trop vite là. Attendez. Ici, il n'y a pas de choléra mort ni de viscère. On continue, toujours rien. Ici, non plus. On descend. Oh, elle est là. Allez les potes, ça continue. Quatrième, plutôt cool là. La viscère de scorbut. On descend encore. Et ce sera tout. Ce qui est déjà pas mal. Cool, ça nous fait une viscère en plus les potes, c'est cool. On enchaîne. Double scorbut avec perdu de vue. On va voir si on arrive à choper une nouvelle viscère. Même si là ça m'étonnerait. Voilà, on passe vite. Il n'y en a pas. Triple choléra avec un scorbut. Challenge intouchable. Donc ça nous fait 90% supplémentaire. On finit le dernier choléra. Espérons que enfin dans cette vidéo on fasse tomber le choléra mort. Toujours pas. On descend. Ok, toujours rien. Alors ici, rien non plus. Et toujours pas. On continue. On poursuit avec un double scorbut plus un choléra sur du borné. Donc 70%. Est-ce qu'on va enfin avoir quelque chose? Attention, on descend. Toujours rien. On continue. La dernière ligne. Non, rien. C'est pas grave.
Double scorbut avec double châle. On finit pétulant. Ouais, donc là, pétulant sur 1.9. On n'a pas besoin d'utiliser tous les PA sur le dernier mob. C'est plutôt cool ça. Alors, est-ce qu'on va drop? On descend. Allez, une petite viscère, s'il vous plaît. Et non, pas de viscère. Double choléra avec le petit mystique. Je sais pas du tout le taux de drop du choléra mort, mais il me paraît très très faible étant donné qu'on n'a toujours pas eu un seul et qu'on a eu 4 viscères. Et non, ici toujours pas non plus. On en continue les potes. Double scorbut avec blitz les potes. Alors à part qu'on fasse un EC ici, normalement c'est bon. Nickel. On va découvrir le drop ensemble. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle viscère? Pour l'instant rien. Ici, rien non plus. Oh yes, 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 yes. Elle est là la viscère. Nickel. Une de plus dans cette session, c'est parfait. Double scorbut avec duel. On a raté cruel sur 1 HP. On était assez déçus. Mais c'est pas grave, on va finir ça quand même. D'accord, ben check. Donc vous allez rester avec moi pour la fin. Alors on va finir avec les nus. Ah ben non, je vous reprends dès que c'est bon parce qu'il y a le chal. Voilà, on y va, on va pouvoir finir tranquillement la capture. C'est fait. Donc est-ce qu'on va drop une nouvelle fois une viscère? Il n'y a pas beaucoup de lignes, ça va être compliqué. On descend assez rapidement. Et non, pas de viscère. Pour finir cette vidéo les potes, je vous avais promis une capture surprise. Vous allez découvrir maintenant ce que c'est. Il s'agit du maître Korbach. Du coup vous savez, sur ce maître Korbach on peut drop des caps fulgus, des clacos qui sont très 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 chers en ce moment. Ça peut rajouter vraiment beaucoup de kama à la fin de la vidéo. Du coup je vais le taper et on se retrouve tout à l'heure pour le drop. Allez les potes, on finit de poser les coffres. Il n'y a pas eu de chal, on est assez déçu. Mais allez, on a quand même une petite chance de drop, ça serait vraiment cool. Sinon comme d'habitude n'hésitez pas à participer dans les commentaires pour avoir le tirage au sort de cette vidéo là. Après on va faire un petit rassemblement pour voir ce qu'on a drop dans cette vidéo. On finit le maître Korbach avec l'explosive et on va voir tout de suite si on a drop. Alors rien sur les premières lignes. Allez on descend, toujours rien. Et non, on aura eu juste une corbe à lame. Bon c'est pas grave les potes, bonne petite vidéo. On va tout de suite rassembler tout ce qu'on a drop dans celle-ci. Vous voyez l'XP plutôt cool en vrai par contre du maître Korbach. On rassemble tout ça et on se retrouve tout de suite. Du coup les potes, on se retrouve pour voir un petit peu tout ce qu'on a drop. Donc on va commencer déjà par voir le prix des diamants. Les diamants qui de souvenir sont aux alentours des 50 000 kama unités. On va vérifier ça. Tout de suite 54 000 ouais, environ. D'accord. Ensuite on va tout de suite se rendre à l'HDV des ressources pour voir le prix actuel des visières de scorbut. Alors on va taper scorbut directement. 135 000, ok, on en a 5, ça nous fait environ du 700 000 kama, donc on est à peu près à 750 000. Ensuite il y a les étoffes de Croglan qui de souvenir va à 5000 unités, donc environ on a pour 60 000, ça fait qu'on a à peu près à 810 000 et je pense qu'il doit bien avoir entre 150 et 200 000 de ressources diverses. Ensuite ça fait que les potes, pour la prochaine vidéo, il y aura en jeu 1 million de kamas. Donc juste après cette vidéo, les potes, vous allez retrouver le tirage au sort du jeu drop pour vous 1. Donc si vous êtes le gagnant du million de kamas, n'hésitez pas à me contacter. Ou alors je vous demanderai directement votre pseudo en bas dans les commentaires s'il n'était pas indiqué sur la vidéo. Et vous avez comme d'habitude 7 jours pour réclamer votre gain. Ce soir, normalement, je devrais donner au gagnant précédent, Pierre-Jean et Sat, les 500 000 de la vidéo EXO. On a rendez-vous ce soir à 20h30. Et voilà, les potes. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, si elle vous a plu, bien évidemment. À mettre un petit commentaire pour être dans le tirage au sort de cette vidéo aussi. Et voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Bye. Ok les potes, on se retrouve comme promis pour le tirage au sort de la vidéo je drop pour vous 1 500 000 kama à gagner dans cette vidéo. Si vous avez bien regardé, vous avez vu qu'on avait drop pour 1 500 000. Du coup, je vous redonne l'intégralité du drop. Donc on va tout de suite pick le winner de cette vidéo. Ça charge. Dofus 1.29, c'est ton nom ça? Oui, ça doit être ton nom. Hello, bon concept, je participe. Merci beaucoup. Du coup, tu as 7 jours, souviens-toi, pour me contacter. Du coup, je vais aller sous la vidéo, te demander ton pseudo
et tu auras 7 jours pour me donner une date et un lieu de rendez-vous sur le jeu pour que je puisse te donner tes 1 500 000. À partir de 7 jours, tout sera remis en jeu, les kamas sont remis en jeu si tu ne m'as pas répondu. Donc les potes, n'hésitez pas à reparticiper sous cette vidéo-là pour gagner 1 million de kamas avec les scores buts. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à commenter. Merci les potes, bye. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous avez bien fait les potes. J'ai décidé de retaper une petite capture à Maître Korbach étant donné qu'il n'y avait pas eu le châle sur la précédente. J'espère qu'il y en aura sur celle-ci. Je commenterai pas la fin, je vous laisserai juste découvrir si on drop ou pas. Donc je vais la lancer, je vous remettrai juste l'écran de fin avec la page de drop. Merci encore d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'on dropera sur la suite. S'il y a un drop, ça sera bien évidemment rajouté dans le concours de cette vidéo. Allez, bye les potes, bonne fin de vidéo.